Salut tout le monde, Bruno pour htc.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement Groove Shark sur Windows Phone. Donc, comme Ilan vous le dit dans l'article, c'est très simple. Pour utiliser Groove Shark sur votre Windows Phone, il suffit de vous rendre dans votre navigateur internet et de sélectionner l'adresse html5.grooveshark.com. Une fois que vous arrivez ici, pardon, vous avez la possibilité de choisir ou plutôt rechercher un titre. Vous avez les stations et les musiques populaires. On va, exemple, faire une recherche. Pourquoi pas taper Lucenzo. Voilà, il fait sa petite recherche. On va prendre celle-ci. Voilà. La musique démarre. On a les contrôles ici. Voilà, je peux quitter le navigateur. Je peux faire toutes mes tâches habituelles. La musique joue en fond de tâche. Bien sûr, je peux éteindre l'écran de mon smartphone. Voilà, l'écran est verrouillé. Et encore plus impressionnant, on a ici les contrôles pour changer de musique. Si on se rend également dans le hub musique, il est quelque part par ici. Voilà, on a notre musique qui est en pleine lecture ici. Et si on clique dessus, voilà, on revient sur la liste de recherche. Voilà, donc super pratique. Je précise que là, je suis en connexion Wi-Fi. Et qu'il vous faudra disposer d'un accès 3G ou donc Wi-Fi. Voilà, je pense aussi, j'ai pas pu tester plus en profondeur l'utilisation des contrôles. À mon avis, si vous parvenez à faire une playlist sur Groove Shark, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse changer, switcher simplement de musique. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!